ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف بث مباشر للمؤتمر الصحفي اللي بالماضي قبل مباراتي الصومال وموزمبيق. أتمنى من أخواتي فضلا وليس أمرا وضع اللايك والاشتراك في القناة وشكرا للجميع. واحد سافر سافر دير بلي ماشي فريق سهلة. بون اون فاي الي تاب باغ تاب، اون فاي دابور سو كونسونتري في هاد المباراة تاع الصومالي اللي لازمنا نكونوا مركزين 100% نديرو النتائج اللي نسناوها سورتو سور سي 3 بوان، افوار سي 3 بوان هذه الاولى. ابخي هذه المجموعه سافيت دي كلاسيفيات، جافي دي ان ميني شامبيونا دو دي رونكونتر كي فا سيتالي سور دوز ان دمي ابخي. اي دونك كي فا فولوار ات Et entre-temps, il va y avoir CAS Africa, il va y avoir d'autres, je pense même encore la Coupe d'Afrique 2025. Donc ça va être entrecoupé, ça va être sur une longue période. Il va falloir être constant, il va falloir être, ne pas rater nos matchs, ne pas manquer de points et ne pas faire d'erreurs. Inch'Allah, voilà, l'objectif c'est ça, évidemment, de se qualifier à cette prochaine Coupe du Monde, Inch'Allah. Plus maintenant c'est sur Youssef Attal. Bah Youssef, tout le monde sait à la belle comme sa suspension l'ASF parce qu'il était dans une très bonne dynamique. On connaît le problème de Youssef notamment de ces dernières années, les Isabat, les Kana Ando, et on avait l'impression que les Adel Mishkila l'avait plus ou moins réglé. Et il était sur une dynamique de match en club et en équipe nationale aussi. C'est un coup dur, on va dire. Important d'avoir du temps de jeu et de jouer des matchs de haut niveau tels que la Liga. C'est un problème, on va devoir le régler, on va devoir aménager les choses. On est avec lui sur cette affaire-là, bien sûr. Donc Fouma. Et de l'autre côté, il faut faire en sorte de ne pas pénaliser l'équipe. Et il y a des choses qui sont mises en place, il y a un programme qui est mis en place. C'est pas l'idéal, ça sera jamais l'idéal. L'idéal c'est qu'il joue dans son club. Des matchs de première division. Ça va pas être le cas. Mais on a la possibilité de limiter la casse. Inch'Allah, il connaît Foul Moustawa et on aura, Inch'Allah, qu'on verra Youssef compétitif. Salam alaikum. تاع اكثر من 10000 كيلومتر بين الجزائر ومبوطو، بالمقابل منتخب موزمبيق راح يلعب في بوتسوانا، يعني مسافه قصيره 800 كيلومتر، حوالي 800 كيلومتر 800 كيلومتر. دونك كيفاش حتعاملوا مع هذا الامر؟ 3 ايام فقط لتحضير مباراه الجوله الثانيه امام منتخب موزمبيق على الساعه الثانيه كما قلت. انا سيتي ميم اون سوربريز بور موا باسكو لا دات سيتال جوسكو 21. هما باغي يلعبوا 16 تاني كيما حنا 16. دونك كونت على بوسيبيليتي بور تيري لا دات جوي جوسكو ديرني جور بور افوار اون كومبليت ريكوبيراسيون باسكو اوسي زون ان ماتش سي با كوم سي زافي با دو ماتش. جيتي سوربري مي اون بو ريان فير ابسولومون ريان فير باسكو سي او كي ديسيد دو سي او كي ديسيد دو لا دات ا لاكيل يفل جوي. Bah écoutez, ça va être c'est le strict minimum syndical que d'avoir même pas 3 jours de récupération entre 2 matchs avec un voyage, comme vous l'avez dit, de plus de 10 heures, près de 12 heures de vol, entre 10 et 12 heures. Donc je pense que la gestion du premier match va être importante contre la Somalie, sans donner plus de précision ou de détails. Ça va être comment on va gérer ce premier match qui va nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour jouer ce deuxième match. Voilà. Bonjour coach.
2 chez Radio Algérien. On parle un peu de la liste, il y a le retour des uns, l'absence des autres, donc ils sont un peu victimes de la concurrence. On parle du retour de Edmounez avec le temps, on va dire, amoindri de Bouanani, donc il n'est pas présent. Un mot sur le retour aussi de Bardet Bounjer qui figure sur cette liste. Si vous pouvez fermer la porte derrière, parce qu'il y a du bruit. Alors. Effectivement, j'avais déjà annoncé, on a déjà fait sur ces derniers mois, sur toutes ces dernières dates FIFA, une sorte de, pas une revue d'effectifs, mais la possibilité de certains joueurs, l'avènement de certains joueurs, de nouveaux joueurs, de prétendre à cette sélection. On était sur des listes de 24, 25, des fois même un peu plus, hein, pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer, ceux que j'estime être des joueurs sélectionnables pour ce niveau international. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, c'est la vie de toutes les équipes nationales. Et j'avais dit qu'au fur et à mesure du temps, les choses entreraient, les taux se resserraient, notamment dans la composition du groupe. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on revient au nombre qui va nous être alloué à la CAN, à savoir 23 joueurs, c'est ça qu'on va avoir à la CAN. Donc effectivement, de facto, logiquement, il y a des joueurs qui quelque part, entre guillemets, qui s'éliminent et qui disparaissent de cette liste, d'autres reviennent. C'est, comme vous le dites, la concurrence, tout simplement. Bardad, vous avez parlé de Bardad. Vous avez parlé de Bardad. Ben Bardad, il a un poste sur lequel j'estime qu'il y a encore des choses à faire. Cette date FIFA, et généralement c'est comme ça, plus on s'approche d'une compétition, plus on s'oriente vers l'équipe, le groupe qui va jouer cette compétition. Mais il restera encore, il y a cette date-là, il restera encore un petit peu de temps avant cette liste définitive pour la CAN. Mais là, on est dans une période de qualification Coupe du Monde, donc j'ai pas envie de mêler les choses. Mais il y a quand même un lien. Donc le poste est important, ce poste d'attaquant. Bardad est plus ou moins dans une... Il a réglé plus ou moins son problème physique, il a rejoué des matchs, il a marqué des buts, ce qu'on demande. Donc son retour est d'une certaine forme, d'une certaine manière, pour moi, logique. À lui de confirmer sur ces deux matchs-là, s'il a la possibilité de jouer, il l'aura. Et à lui de faire le nécessaire pour, comme d'habitude, de marquer de son empreinte pour sa sélection. مساء الخير كوتش. دائما في هاني شريط من الاذاعه الجزائريه دائما في نفس السياق مباراتين مقبلتين هل تشوفهم هما مباراتين معياريتين ان صح التعبير خصوصا انه ما زال تقريبا شهرين على كاس افريقيا او انه في تصريحات سابقة قلت أنه كل مباريات صعبة أو التركيز سيكون حول يعني خصوصا بداية مهمة بالنسبة لتصفية كأس العالم أكيد صعبة سورتو هذيك المباراة تاع الموزمبيك تكون صعيبة هذي فو با ترومبي entre guillemets le public ou la légende le match contre le Mozambique. Je vous ai donné juste leur dernier résultat contre le Sénégal, ce qui est une référence aujourd'hui. Donc ils ont gagné 1-0 là-bas, tiré par les cheveux. Ça va être un match qui est très très difficile, de par l'adversaire, de par le déplacement, de par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le terrain, l'heure. Tout ça va faire que ça va être un vrai match d'Afrique à l'extérieur sur une compétition importante qui est la Coupe du Monde. Donc sûr de qu'on ne sait pas. Ça, j'ai pas compris la question. À part ça, chaque regroupement a sa vérité, chaque match a sa vérité. Gotelcom, bien sûr qu'on s'approche de la Coupe d'Afrique et donc on va vers l'effectif que j'estime et on joue des qualifications Coupe du Monde, donc on va vers l'effectif que j'estime être le meilleur effectif truc. Donc on va présenter aussi des équipes sûrement où il va y avoir du changement entre les deux équipes parce que
que aussi il y a ce délai très court de récupération, il y a ce déplacement. Donc, je vous ai dit, j'ai une idée évidemment de l'équipe qu'on va présenter, notamment à la CAN, mais je veux rester sur cette campagne de qualification Coupe du Monde, mais quand même en ayant encore la réflexion sur un ou deux, trois des joueurs. Mais puisqu'on a ces deux matchs rapprochés, on va voir une équipe qui va évoluer entre le premier match et le deuxième match, ça c'est sûr. رانيا علواش صحفية قناة زد نيوز. بالنسبة للاعب بن ناصر وبالنظر للتدريبات المكثفة التي يقوم بها، هل سيتمكن من اللحاق بالكان؟ والسؤال الثاني بخصوص هل يمكن أن نرى عودة بولحي وبليلي إلى قائمة الكان كوت ديفوار بالنظر للخبرة التي يمتلكونها في الملاعب الإفريقية؟ إسماعيل بن ناصر عنده إصابة ديال التمارين، مازال مش مع المجموعة، تمارين خاصة، دونك أوكين ما نجموش نديرو الحساب عليه. سي إلي ديسبونيبل ديسي الموا دو ديسي لا ديسي لا كان، إيبا سا سخي بون نوفيل بور لو جروب. فودرا فوار دون كيل كونديسيون يسرا، مي أون بار دو برانسيب كو إلا أون بليسيور أسي امبورتونت و لازم نخدمو بيان سور. L'élément important de l'équipe nationale d'Algérie, je l'ai toujours dit, c'est l'équipe nationale en elle-même. Donc, on se fait pas de d'illusions. Hanan Khedmou, il a écouté Jazz fait Adelwart. On portera la réflexion. Pour les joueurs dont vous avez dit, Boulhi, il reprend à peine la compétition. Il en est à son troisième match, notamment hier. Hier contre l'USMA, avant-hier contre l'USMA. Donc avant ça, il avait fait un match, je crois, deux matchs de Ligue des Champions. Donc c'est avec cette période, ce break qu'il y a eu là avec dans le championnat, ça arrange pas les choses. Mais bon, je pense que maintenant les matchs vont s'enchaîner. Il va y avoir de la Champions League au mois de décembre, je crois, 4 matchs ou 5 matchs de Champions League pour Aïssa, pour CRB. Donc voilà, ça va être les matchs qui vont nous dire comment il évolue et la compétition. Donc on va attendre. Après, pour Youssef Blayli, c'est la même chose. Vous avez cité qui encore? Qui vous avez cité encore? Blayli, vous aidez? Brahimi. Barak. Ok. Bon, je vais élargir la. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à tous ces joueurs. Raïs Mboulhi, j'en ai parlé. C'est un gardien, c'est un job à part. Il joue avec les mains la plupart du temps. Alors qu'aujourd'hui, les gardiens jouent avec les pieds. J'ai l'habitude de chambrer les gardiens en leur disant, faites un sport différent. Bon, je vous ai parlé de Raïs. Pour ce qui est des autres joueurs, j'aimerais que la réflexion, parce que j'entends ce qui se dit. Évidemment, et j'aimerais que la réflexion soit un peu plus, soit honnête, quand j'estime qu'elle est mal, qu'elle n'est pas honnête, soit plus précise quand les gens sont sincères. Quand vous présentez un joueur, il faut toujours le mettre, toujours. Surtout, bon, là on va être dans une liste de 23, il y a 3 gardiens de but et tous les autres postes sont doublés. Donc quand vous parlez d'un joueur, il faut tout de suite le mettre en comparaison avec le joueur qui est déjà sélectionné. Par exemple, si vous citez par exemple Blayli ou si vous citez Brahimi, déjà eux deux sont déjà en concurrence. Ils jouent les deux au même poste, uniquement à ce poste d'ailleurs. Donc puisque j'ai tout à fait 2 joueurs par poste, je vous ai dit, je ne peux pas prendre un défenseur central, 4 avancantes, 12 milieux de terrain. C'est pas comme ça, c'est doubler les postes. Si vous me parlez de Blayli et Brahimi, ils sont déjà les deux en concurrence. Après, si vous rajoutez Amoura et Gouiri sur le même côté, dites-moi comment on fait. Je ne peux pas prendre 4 joueurs au même poste. Donc si maintenant certains préfèrent, par exemple ceux qui citent, ouais, Yassine Brahimi, il est en forme, oui,
l'enfant, Inch'Allah. Mais quand tu cites Yassine Brahimi, donc il mérite de jouer. Donc il mérite de jouer, il mérite d'être là. Par, je vous cite un exemple. Il mérite d'être là à la place de Goury ou à la place d'Amoura, choisi. Donc maintenant, en tant que commentateur de l'équipe nationale, tout commentateur qu'il soit, plateau, journaliste, tout ça, quand il cite Brahimi, il faut de suite qu'il dise « Je préfère Brahimi à Goury, je préfère Brahimi à Amoura. » C'est comme ça qu'il doit parler. S'il ne parle pas comme ça, c'est qu'il est en train de tricher. C'est qu'il veut juste mettre des noms comme ça, où il a belle l'intention qu'il y a derrière. Quand tu cites, déjà aussi quand tu cites Brady, tu sais qu'il y a aussi Brahimi, et tu sais qu'aussi il y a Goury, et tu sais qu'il y a Amoura. Il faut en prendre que deux. Tu peux en prendre quatre, tu peux en prendre cinq. Et Abdelrahman. Donc ça fait cinq. Si tu cites, par exemple, si tu cites, tu auras droit à ta question, celui qui veut te poser la question. Si tu cites Bouanani, l'SF qui n'avait pas de temps de jeu, qui avait 50 minutes jusqu'au dernier match, il avait 50 minutes depuis le début de la saison. Tu le compares tout de suite à Mahrez et Ounas. Tout de suite, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui a cité. Qui est-ce qui a cité? C'est toi, c'est Sayoud. Par exemple, il le compare, si tant est encore. Comprenez, vous savez un peu dans quel système je joue. Il le compare tout de suite à Awar et Shaibi. Il a dit, ça s'appelle de l'honnêteté. Ça s'appelle, je suis l'équipe nationale, je comprends le football, et voilà qui je le compare. Il ne compare pas à Issa Mandi, il ne compare pas à Ahmed Touba. Il compare aux joueurs avec lesquels il est en concurrence. Salam alaykoum, coach. Vous avez parlé de la préparation de la Coupe d'Afrique. Je l'ai dépassé, coach, entre la 2019 et 2021. Maintenant, on est proche de la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce que vous avez tranché sur l'hébergement de l'équipe nationale, en sachant qu'il y a une cité Cannes, il y a plusieurs clubs, plusieurs équipes nationales, ou bien vous serez hébergé tout seul dans un hôtel? Les choses sont en train de se faire. C'est vrai que la préparation est pour moi indispensable. Et indispensable, on vient de citer les deux dernières Coupes d'Afrique, celle de 2019 où on était vraiment dans les conditions qui correspondaient à ce qu'on allait trouver en Égypte, en termes de climat, on a eu ce qu'il fallait en termes de matchs amicaux, dans les conditions qu'il fallait. Je vais même aller jusqu'au ce détail, bon, ça c'est un pur hasard, mais du même nom d'hôtel, entre l'hôtel à Doha et l'hôtel en Égypte. Ça c'est vraiment pour aller au bout de la chose. Mais c'est surtout les conditions climatiques et la possibilité d'avoir les matchs que l'on veut le plus important. Donc, sur ça, ça c'est sur la préparation. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. Sur celle d'avant, on est resté pareil au Qatar. Il y avait, pour celle au Cameroun, il y avait des conditions extrêmement, extrêmement difficiles de par la présence de tout ce qui était Covid. Et tous les tests qu'il fallait faire et tous les avions qu'on pouvait prendre, atterrir dans un territoire, ne pas pouvoir sortir du territoire si on arrive avec le Covid. Bref, ça avait été une complication totale jusque dans la compétition elle-même où les différents dirigeants de l'organisation du COCAN venaient et vous disaient la veille et nous on était concernés à 100% pour tout ça. 100%, il n'y a pas un joueur qui n'était pas concerné par ça. Entre la préparation et les matchs, 100% des joueurs, 100% de nos joueurs, elle était concernée par ça, jusqu'au staff technique. Donc on a l'expérience de ces deux cas-là et on en a tiré évidemment des conclusions et puis de faire en sorte de ne pas recommettre, s'il y a des erreurs qui ont été faites, de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Pour le lieu d'habitation, ça fait aussi partie de l'organisation qui doit être bonne, qui doit être même très bonne. Donc avec les dirigeants, notamment le président de fédération et tout son comité, je me suis pas déplacé en Côte d'Ivoire puisqu'on avait un match contre je sais plus qui, on avait un match de championnat le jour du tirage au sort. Je crois que c'est contre le Cap-Vert. Donc, il a vu on s'est échangé les vidéos, tout ça et tout. Il a vu ce que proposait le COCAN. Et il a l'expérience, je crois qu'il a 3-4 coups d'Afrique, il a l'expérience de tout ce qui est logistique
notamment du lieu d'hébergement qui est indispensable, puisqu'on est censé être là-bas pendant un certain temps, j'espère le plus longtemps possible. Il faut être dans des conditions, et pas des conditions qui permettent d'être à l'aise, d'être bien concentré sur les entraînements, sur les matchs. Donc on est en train de travailler là-dessus. Le président est en train de travailler là-dessus, il connaît ça par cœur. Et voilà, sur ça, il y a un rapport de confiance. Il a cette expertise-là. Bon, je ne suis pas au détail près, minutieux. Voilà, bon, un hébergement. Dans une cité, c'est ça qu'ils appellent un lycée. En soi, c'est pas l'idéal d'être tout le monde mêlé. Bon, je vais pas commencer à me mêler de leur organisation. Donc, je regardais l'INA, de se retrouver avec des équipes mélangées comme ça. Ça m'a l'air un petit peu compliqué en termes de. Et puis souvent c'est des équipes qui sont. Mais toutes les équipes de notre groupe, c'est pas l'idéal. Donc on est en train de voir une solution parallèle, Inch'Allah, qui nous mette dans les conditions qui permettent, Inch'Allah, Rabbi, le bon résultat, la performance, Inch'Allah. Bonjour coach. Question, coach, quand on a un match qui arrive contre la Somalie, qui, je le dis avec tout le respect pour les Somaliens, qui n'ont pas d'histoire sur le continent, vous l'avez dit vous-même, ni en club, ni en nation. Vous affrontez le Mozambique, qui est une équipe, une nation qui est en train d'émerger, bon, si c'est encore modestement. L'approche dans la préparation, ces deux matchs rapprochés, est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce qu'elle pose comme problème? Je ne vais pas vous demander le détail, mais juste sur l'approche. Et la deuxième question, vous l'avez abordée, vous avez votre liste, vous le dites, vous vous rapprochez de la liste qui sera retenue pour la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes sur un ou deux changements. La question, les hésitations que vous avez, la réflexion que vous avez, se porte sur combien de joueurs? Si on peut avoir les postes également, ça serait intéressant. Et si vous me permettez la toute dernière, parce que elle va de soi, lors de la dernière conférence de presse, vous avez évoqué un sujet très sensible. Vous avez expliqué une démarche, vous avez expliqué également la méthode. Et là, je reviens, on a l'impression qui se dégage sur deux cas qui se sont posés, pas avec la sélection A, mais avec la sélection des U20. Est-ce qu'on travaille, tout le monde, de concert, justement, pour permettre, pour pouvoir capter les joueurs pour l'équipe A dans le futur? Le cas de Guiri illustre très bien cette situation. Il était avec les Espoirs, puis après, il a rejoint l'équipe A. Les deux joueurs qui n'ont pas rejoint la sélection, qui ont préféré aller vers l'Espagne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait fallu, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, pas concernant ces joueurs, il faut les laisser maturer, tranquilles, de toute façon, rien n'est compromis, que d'arriver à ce type de situation qui renvoie, je le dis, c'est un jugement, un manque de professionnalisme, voilà, tout simplement. Bon, j'ai eu une discussion en venant ici à Sidi Moussa il y a trois jours avec Rapide, avec le DTN, que je salue, et qui je suis sûr, et je ne le connais pas avant cette histoire même, parce que j'ai suivi évidemment ça, tout ça. Mais je suis sûr que ça partait d'une bonne intention. Et si je peux me permettre, et je pense pas que ça soit lui faire, comment t'appelles, lui manquer de respect, loin de là. Je sais qu'il est déterminé à faire.